je m'appelle Lysia. J'ai eu un enfant à 15 ans. Le papa, il joue pas son rôle de père, donc je joue le rôle de père et de mère. J'étais à 6 mois quand ils ont découvert que j'étais enceinte. Les médecins ont dit que j'ai fait un déni de grossesse, mais pour moi, j'étais vraiment pas enceinte parce que j'étais mince, j'avais pas de ventre, j'avais rien. J'ai été très, très rejetée de tout le monde, que ce soit amis ou famille. Mon père me parle plus. Il y a même une fille, elle a osé me dire que je n'étais pas fréquentable. J'aimerais que mon fils il soit un homme galant, qu'il ne frappe surtout pas les femmes, parce que moi, je n'aime pas les hommes comme ça. J'aime vraiment pas ces hommes. Mon fils, si, imaginons que un jour, il mette une fille enceinte, je veux qu'il assume, je veux pas qu'il rejette l'enfant ou qu'il cache. Même s'il a honte, moi, je serai là pour lui. Je suis 100% d'accord avec les droits féministes, parce qu'on ne peut pas interdire une femme d'avorter. Elles se sont battues tant d'années pour nous aider que moi, je les remercie. Même si je n'ai pas avorté, je les remercie parce que grâce à elles, ben, tout le monde réalise qu'il y a beaucoup de choses qu'une femme peut faire.